Bonjour tout le monde, bienvenue sur OneAM. Aujourd'hui, un report de concert, une reco, deux remerciements et des annonces pour les nouvelles émissions. On commence tout de suite. Le report de concert concerne Jack White à l'Olympia, c'était il y a à peu près 10 jours. Et ce report est spécifiquement dédié à Limelight Wolstenholme. J'espère que j'écorche pas ton nom. On avait discuté ensemble sous l'émission de False, dans le fil de discussion, des concerts qu'on allait se faire, de ceux qu'on avait fait. Et ben voilà, donc Jack White s'est passé et je t'en parle, mais j'en parle aussi aux autres. C'était un concert qui était intéressant pour énormément de raisons. La première, c'était que c'était un concert phoneless. Il fallait donc laisser son téléphone rangé dans une pochette. Je vous explique vite fait le processus. Vous passez la file d'attente, vous mettez le téléphone dans une pochette, elle est scellée avec une espèce de tag comme vous avez dans les magasins, vous savez, des trucs de sécurité, et vous pouvez réouvrir la pochette à la sortie quand la personne arrive et vous détague le truc. Ça veut dire aussi qu'il faut venir avec des billets imprimés. Vous ne pouvez plus utiliser votre téléphone pour le faire scanner, c'est pas possible, c'est en amont que on vous bloque votre téléphone. Résultat, et là je vais m'engager uniquement personnellement, je vais pas discuter du rapport difficile que ça peut établir entre l'artiste et le spectateur, la spectatrice. Moi qui ne suis pas très grand, j'ai trouvé ça extrêmement agréable, ça m'a évité d'avoir des gens qui avaient les bras levés qui me gênaient la vue, ou alors de voir le concert au travers d'une petite lucarne, alors que, voilà, hein. Pour 50 balles, je préfère voir la personne directement. Donc pour toutes ces raisons-là, ça s'est extrêmement bien passé. Le concert en lui-même, la scénographie était absolument géniale, donc on avait un setup relativement classique, vous êtes face à la scène, chant gauche, batteur, bassiste, chant droit, deux claviers qui utilisaient des pads numériques, des claviers analogiques, Jack White au milieu, trois supports d'affichage pour une projection, et le concert a démarré, on a raté la première partie, donc le concert a démarré avec un petit teaser. Un studio analogique était projeté, il y avait un compte à rebours qui défilait, de 10 à 0. Jack White, toujours en projeté, qui arrivait et qui de temps en temps venait trafiquer un petit peu le truc, remonter de quelques minutes ou descendre, histoire de nous mettre un petit peu le feu, voilà, la chaleur. Le concert a démarré de façon relativement tiède et je dois avouer que je m'y attendais un peu. J'aime beaucoup le Jack White, évidemment, comme beaucoup de monde, j'imagine, des White Stripes. Les raconteurs, ça m'avait pas énormément touché. Le dernier groupe où il était batteur, j'en sais quasiment rien. Et Jack White en tant que tel, je voulais voir un petit peu ce que ça allait donner sur scène. Et j'ai pas été déçu, mais ça a été une sorte de slow burn. Voilà, il a fallu du temps pour que je m'y mette. Un autre avis, c'est celui de ma compagne qui, elle, a été à fond direct dessus, et en fait, je la comprends tout à fait. Donc si vous êtes fan, par exemple, de ces sons stoner un peu greasy, avec une distorsion qui explose, qui est vraiment un son qui cisaille, vous savez, on sent vraiment, quand le médiateur est posé, qu'il y a quelque chose qui va trancher l'air, quelque chose qui est limite hors de contrôle, si vous aimez les Black Keys, si vous aimez BRMC, alors évidemment, ce son est pour vous, vous avez trouvé une des meilleures incarnations de ce style de musique. Et Jack White, c'est vraiment le gars, je le décrirais comme un mec qui a pris la route avec une grosse caravane remplie de tout ce qu'il a pu collecter, et qui vous ressort ça sur scène. Il y a donc des sons qui sont vraiment issus de l'Amérique profonde, très country, il y a du vieux blues, il y a aussi des éléments de jazz, qui va réinterpréter à sa façon. C'est un peu comme si un sale gosse avait mis la main sur un bac de disques et s'était amusé à les trafiquer à sa manière, tout en essayant d'y apporter une espèce de patte légèrement punk ou vraiment légèrement sale. Le concert a démarré avec 16 Saltines, il a été suivi relativement de près de Canon, qui va être d'ailleurs un morceau leitmotiv parce qu'on va le retrouver 2-3 fois dans la première partie du concert, ce qui avant les rappelle. Et est arrivé un morceau que j'attendais énormément, qui est Black Math, qui est un des meilleurs morceaux de l'album Elephant, qu'il a joué un poil trop vite, mais ça a été absolument génial. C'était le morceau que j'attendais, qui me fait vraiment kiffer. J'en attendais d'autres, je les ai pas eus. Donc le concert s'est poursuivi avec une conclusion sur Dead Leaves and the Dirty Ground, qui est un morceau absolument génial, qui d'ailleurs, petite remarque, le morceau joué en live m'a vraiment fait penser à un autre morceau d'Elephant, donc Dead Leaves and the Dirty Ground, c'est sur White Blood, ou White Cells, je sais plus comment il s'appelle cet album, c'est l'album qui précède Elephant, et Elephant, il y a une chanson qui s'appelle There's No Place For You Here, Go Go Go, je crois que c'est à peu près ça le titre, et les deux chansons ont exactement la même structure, harmoniquement elles diffèrent légèrement, mais je vous jure que quand j'ai entendu Dead Leaves, je me suis dit, ah putain, il va jouer celle-là,
Et après de me dire, mais c'est bizarre en fait. Et il m'a fallu du temps, alors que je connais les deux, hein. Mais ça m'a surpris de vraiment l'avoir comme ça. Je vous recommande d'ailleurs Dead Leaves on the Dirty Ground, ne serait-ce qu'à voir en vidéoclip, parce que c'est Michel Gondry qui s'est occupé du visuel, et il a fait un taf. Bah, c'est du Gondry, donc à chaque fois qu'il fait un truc, c'est juste... vous prenez une patate dans la gueule et vous dites « Putain, mais comment il a fait ça? Comment il peut être aussi bon ?» Donc je vous invite fortement à le voir. Et ça va conclure donc la première partie du concert. On attend les rappels. Et les rappels vont démarrer plutôt pas mal, avec des morceaux un peu plus émouvants. Il va y avoir des morceaux un peu plus intimes. Il va y avoir « Come Lover », je crois, qui en plus a bénéficié d'un très très joli visuel. Et il va y avoir le dernier morceau, que je vais introduire par une petite histoire. Pendant le concert, au deuxième ou troisième morceau, un mec qui était un peu chaud derrière moi commence à faire to to la to 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 to, mais vraiment comme ça, un petit peu beauf mais assumé. Les mecs qui étaient devant moi se tournent vers lui, regard noir, courroucé, de l'air de dire « Mais mon gars, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'as pas de manière, tu sais pas, t'as rien à foutre là, pourquoi tu nous fais ça, etc. T'as pas compris, c'est Jack White, c'est pas les White Stripes, dégage là, gros con, va niquer ta mère. » Tout ça pour qu'à la fin, 25e morceau, vous vous en doutez bien, « To, 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 to. » Mais pas que le gars, toute la salle, et en particulier les mecs qui étaient devant moi, donc tous en cœur, on était complètement chauds. Et Jack White était aussi chaud que nous, ce qui fait qu'à un moment il a fait arrêter ses musiciens. Il s'est mis sur l'avancée, il a demandé à toute la salle de chanter, il a juste eu la batterie pour nous donner le beat, et il l'a joué quasiment a cappella. Est-ce que tu peux faire mieux? Bah moi je crois pas, hein. Ça c'était une putain de conclusion de concert. Les petits défauts sont pas relatifs à Jack White, ils sont plutôt relatifs aux musiciens qu'il a pris pour sa tournée. Ce sont de très très bons musiciens, j'insiste fortement là-dessus. La batteuse est excellente, le bassiste aussi, les deux claviers, même si j'avoue que je trouve que c'est un peu redondant, sont excellents. Mais ce sont des musiciens de tournée, et ce sont donc des musiciens qui en fait répondent beaucoup à la commande. Le problème que ça m'a posé, c'est que par exemple sur un morceau dont j'ai pas retenu le titre, qui me fait beaucoup penser à Jerry Lee Lewis quand il jouait Great Balls of Fire, alors c'est pas du tout les mêmes morceaux, mais c'est l'image que j'ai. Va arriver un moment où en fait le pianiste va commencer à insérer des fausses notes dans ses accords. Sauf que c'est pas des fausses notes. C'est-à-dire que ce sont des accords qui sont composés en partie de notes dissonantes, si vous voyez ce que je veux dire. Et le problème que ça m'a posé, c'est que si je reprends Jerry Lee Lewis et Great Balls of Fire, quand Jerry Lee Lewis va jouer Great Balls of Fire, il va y avoir ce moment de communion, mais au-delà même de la communion, il va y avoir ce moment de folie où lui, fasciné par la foule, et la foule, par effet miroir, fascinée par lui, va se perdre. Et il va y avoir ce que Tony Gatliff disait, les meilleurs moments de la musique, c'est quand ça déraille un peu. Quand on commence à être un peu off-tempo, quand on commence à jouer légèrement à côté, mais pas complètement. C'est cette espèce de moment de dissonance pure qui ne font que sublimer le concert, parce qu'on revient et on dit « et à un moment, c'est parti en couille ». Mais c'était tellement bon, parce qu'on s'est sentis tous ensemble là-dessus. Et le problème que j'ai eu avec ce musicien, c'est que lui, j'ai eu l'impression qu'en fait, les notes, c'était des accords. Et que donc, il avait joué mercredi pour nous, mais qu'il avait joué la veille pour les autres gens qui étaient venus à l'Olympia, qu'il avait joué en Hollande aussi, qu'il l'a sans doute rejoué à Montreux pour le concert suivant, et Barcelone et le Portugal, il rejouera la même chose. Pour lui, c'est pas un problème, on lui dit « fais une fausse note », il fait une fausse note. Et ça m'a un peu gêné. Parce que ce qu'il y avait dans les White Stripes, c'était vraiment le côté garage. C'était Meg et Jack sur scène, tout seul. Et la particularité, la chose que j'aimais beaucoup chez Meg, c'était sa façon de manipuler la batterie. C'est pas une batteuse, Meg. C'est quand ils sont rencontrés, elle faisait du slam, enfin, elle déclamait de la poésie, et elle s'est mise à la batterie sur le tas. Et on le ressent dans son jeu, et on le ressent aussi dans sa façon ne serait-ce que tenir la baguette. On sent que c'est pas une batteuse, c'est pas une batteuse professionnelle. Et cette chose-là a vraiment quelque chose de charmant. Alors je dis pas ça parce que c'est une femme pour la rabaisser, mais je trouve qu'en fait, quand Meg arrivait avec ce geste, il faut vraiment le voir, ou même ces gestes-là, quand elle fait Seven Nation Army, il y a quelque chose de très beau, parce qu'il y a encore quelque chose de la fascination de l'instrument. Elle va taper, elle va entendre le boom, elle va faire « Oh putain, ça fait boom, c'est cool !» Alors que la batteuse qu'on a eue, par exemple, sur le concert de l'Olympia,
Elle, elle est plus dans la maîtrise. Elle, elle a une satisfaction dans le fait qu'elle fait ressortir le son qu'elle veut. Mais elle a plus ce truc à se dire « Ah putain, cet instrument est vraiment cool, quoi. » Et c'est ça que j'aimais dans les White Stripes, et c'est ça qui s'est perdu, je trouve, dans cette nouvelle formation. J'aurais bien voulu qu'ils continuent comme ça et qu'ils prennent vraiment des musiciens et qu'ils les intègrent complètement à son nouveau projet. Maintenant, la reco. Elle me vient directement de Politikon, qui tient une chaîne qui parle de sociologie, qui parle de philosophie de la politique. Quoi qu'il en soit, on a en commun de beaucoup aimer la musique électronique, on s'envoie des recos de temps en temps, et il m'avait linké un morceau de Underworld versus Iggy Pop qui s'appelait Bells and Circles, qui était vraiment vraiment pas mal. Mais je voyais pas d'où le morceau sortait, je commençais à chercher un peu, j'avais pas trop de nouvelles dessus. Les Underworld avaient sorti un album il y a 2 ans qui s'appelait Barbara Barbara We Face a Shining Future, qui est un album absolument excellent que je vous invite à écouter. Et Iggy Pop de son côté, je crois qu'aussi en 2016, il avait sorti un album qui s'appelait Post-Pop Depression. Très bon album, hein. Voilà, pas le meilleur, mais très très bien. Et je me demandais comment les deux en étaient venus à collaborer. Au final, l'histoire, je l'ai eue sur le site directement, donc c'est pas mon histoire, je vous la raconte telle que je l'ai lue. Rick Smith, qui est donc un des membres du trio Underworld, a entendu que Iggy Pop devait venir à Londres réenregistrer des parties de Lust for Life, qui est le morceau opening de Trainspotting 1, pour Trainspotting 2, parce qu'il devait y avoir un remix ou un réarrangement du morceau. Il a donc loué une chambre à l'hôtel Savoy, il a rempli la chambre d'éléments de studio, il a vraiment vraiment rempli la chambre, il a demandé à Danny Boyle de convaincre Iggy Pop de venir, et c'est ce qui s'est produit. Donc Iggy Pop arrive dans la chambre d'hôtel, se retrouve face à Danny Boyle sur Skype qu'il travaille au corps, et Rick Smith qui lui fait « Putain mec, j'ai 30 morceaux, il faut absolument que tu enregistres avec moi », et ça s'est passé comme ça. Ça nous donne les Tea Timer d'Obsession, qui sont absolument géniales. Alors ça n'est que 4 morceaux pour l'instant, le EP va sortir le 29 juillet, mais on connaît déjà 2 morceaux, donc Bells and Circles qui est vraiment cool, mais un morceau qui est sorti il y a très peu de temps qui s'appelle Get Your Shot, qui est vraiment encore meilleur, qui est un putain de clip de ouf en plus. Attention, c'est pas flagrant, c'est-à-dire qu'il faut le regarder plusieurs fois et vous demander comment ça a pu être fait, parce que vous allez voir qu'il y a une petite bidouille, c'est pas juste une image qui a été déformée, c'est beaucoup plus complexe que ça, ça a demandé énormément de travail, et bah voilà, déjà rien que pour le clip, vous pouvez aller voir ça. Underworld, très rapidement si vous ne connaissez pas, Underworld c'est évidemment Trainspotting 1, c'est la conclusion de Trainspotting, c'est ce morceau Born Sleepy qui va les rendre plus connus même que je pense les Daft Punk, j'exagère à peine. Faut savoir que j'étais en Grande-Bretagne à l'époque où le film est sorti, ça a été une explosion, c'était tous les soirs, c'était dans les pubs, il y avait une pub justement de Lager, parce qu'à un moment le chanteur dit Lager, 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 c'était pour le foot, ça a totalement explosé, ça a été repris, et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, la plupart des gens ne connaissent que les 2-3 premiers accords de synthé, ils se rendent même pas compte que le morceau fait 7 minutes ou 8 minutes, et qu'il est extrêmement plus complexe que ça. Underworld, c'est du son pré-année 2000, c'est donc du son encore analogique, on entend le souffle, on entend le grain des machines, on entend les interférences qui sont utilisées réellement pour construire quelque chose, on sent que c'est maîtrisé, et c'est ce qui va sans doute choquer les gens qui seraient post-année 2000, où là, les rapports à la musique sont relativement différents. Voilà pour ça, mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous lancer, vous savez quand ça sort. Maintenant pour les remerciements. Mes premiers remerciements vont à Mich Mich de Chrono Music, la chronique musicale express que vous connaissez certainement. Donc Mich Mich, un énorme merci gigantesque de l'univers, je te dois plus que tout. Le simple fait que tu m'aies mentionné dans une émission a fait que je pense que j'ai dû doubler mon nombre d'abonnés, ce qui évidemment a augmenté mon exposition. Merci. Voilà. Si par hasard vous ne connaissez pas Chrono Music, je vous invite à faire le chemin inverse, donc aller voir ce qu'il fait. Il a plusieurs formats d'émissions, des formats qui vont commenter des choses qui sont passées dans la musique, des formats qui vont vous expliquer comment faire certains types de musique, et c'est très très large, hein. On peut passer de la retrowave au big band, et c'est toujours expliqué de façon très pédagogique pour le peu de temps qu'il veut y consacrer pour pas vous perdre, donc c'est pas ennuyeux, c'est extrêmement attirant, et c'est surtout bienveillant vis-à-vis du spectateur, vu que vous vous sentez jamais pris pour un con avec des termes trop techniques, etc.
Et en plus, il vous file un résultat en utilisant, par contre, en détournant un morceau et en le refaisant à la façon de. Donc, sincèrement, allez voir si vous ne connaissez pas. Mes deuxièmes remerciements vont à Guillaume de la chaîne RNC Révisons nos classiques, qui est le papa de Mediapason, le collectif des vidéastes qui parlent de musique, qui est aussi maintenant un vidéaste à plein temps, vu que c'est sa nouvelle profession. Et donc, Guillaume ne manque jamais une occasion de parler positivement de moi, de me recommander, hein, il l'a déjà fait plusieurs fois dans ses émissions ou alors sur les réseaux sociaux. Et donc, j'apprécie d'autant plus qu'on pourrait penser qu'on vient de deux univers différents, lui la classique, moi plutôt l'électronique, mais Guillaume aime la musique avec un grand M. Et je le remercie donc de m'avoir en quelque sorte parrainé, en tout cas pris sous son aile et protégé. C'est extrêmement touchant de sa part et énormément merci Guillaume. Maintenant, pour ce qui va concerner les nouveaux formats. Vous avez pu remarquer que je sors une émission à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois. Le problème que ça vous pose à vous, c'est que vous avez l'impression que je suis mort ou en tout cas... que je fais autre chose. Le problème que ça me pose à moi, c'est qu'évidemment, quand je sors une émission, ça se perd, pardon, dans votre fil d'annonce, et on est tous les deux frustrés parce que vous, vous êtes abonné en quelque sorte pour rien, et puis moi, quand j'arrive, que je vais voir un petit peu les résultats, je fais ah ouais, putain, 2 mois de taf rien que pour ça, c'est pas cool. Peu importe, c'est normal. C'est comme ça, voilà, je vais pas. J'ai pas autre chose à dire de plus, si ce n'est que je vais faire quelque chose un petit peu comme AstronoGeek, mais moins pour flatter l'algorithme, comme lui le dit avec beaucoup de sarcasme, plutôt, mais aussi de vérité, mais plutôt pour me permettre de parler de certaines choses que je n'arrive pas à aborder justement dans une émission qui me prend énormément de temps en termes de montage. Vous allez avoir à partir de, je sais pas trop quand, dans pas trop trop longtemps, en fait, des mini-émissions face cam, hein, donc ça va être sans prise de tête, où je vais faire en fait par ordre chronologique décroissant tout ce qui a pu sortir d'intéressant cette année, à mon avis, donc ce sont mes goûts, et ça me permettra d'aborder tout ce qui est en électro et en pop qui m'a vraiment accroché l'oreille, de vous indiquer que ça c'est sorti, que c'est plutôt pas mal, et hein, ça fera plus d'émissions, donc il n'y a pas à s'en plaindre. Je vous annonce quand même 3 ou 4 grosses émissions, comme ça me forcera à les faire. Déjà la première, Alors c'est pas juste parce que c'est Sacha Grey et que c'est de l'amour, mais c'est aussi parce qu'elle a posé sa voix sur le Transmission de Death in Vegas, que Death in Vegas est un putain de groupe de ouf. Que je voulais en parler depuis un moment, je vous l'annonce. Il va y avoir aussi évidemment une émission sur Underworld qui prendra un petit peu de temps parce qu'ils ont une énorme discographie aussi. Une émission sur Sense que vous connaissez du trailer, alors du teaser pardon du premier Ant-Man parce qu'une de leurs tracks avait été utilisée 2020. C'est un groupe absolument novateur, c'est un groupe que je trouve extrêmement. Enfin, c'est quelque chose qui me font vraiment quelque chose quand je les entends. Allez écouter 2020, à défaut de le voir. Si vous êtes épileptique, n'allez pas voir le clip. C'est un avertissement sérieux. Et il va y avoir, encore une fois, un clin d'œil à Lamelight, une émission sur LCD Sound System. Si c'est LCD Sound System, je vais aussi parler du DFA, je vais aussi parler du Disco Punk. Je vais aussi parler sans doute de Hot Chips, etc., etc. J'aborderai peut-être le cas de General Electric, mais c'est simplement pour illustrer tout ça. Enfin bon, voilà. Je vais pas faire plus long que ça parce que je pense que vous avez beaucoup de choses à faire. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Donc on se dit très très vite, hein, dans les jours qui viennent. À bientôt.